Salut à tous les gars et bienvenue sur la Assassin's Creed Expérience, c'est Val et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que je n'ai pas forcément écrite, que je n'ai pas forcément préparée comme il faut avec un texte, etc. Ça va plutôt être ici de l'improvisation, mais cette vidéo, elle était importante à mes yeux. C'était une vidéo importante à faire et dont honnêtement, je vais vous le dire très franchement, je me serais bien passé de la faire cette vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui elle est nécessaire. Vous l'avez vu au titre de la vidéo qui dit tout, Assassin's Creed est-il foutu? Où va la licence? On a vu avec les derniers DLC et avec les deux derniers jeux que globalement elle se porte très très bien financièrement, mais que dans le cœur des joueurs, on va dire que l'estime de la franchise descend fortement. Où sont aujourd'hui les bases d'Assassin's Creed? Où sont les piliers? Où sont les valeurs fondamentales qui fait que l'on aime Assassin's Creed et qu'on s'est attaché à cette licence? Est-ce qu'elles ont totalement disparu? Est-ce qu'on peut les retrouver ou pas à l'avenir? Ou est-ce que tout est définitivement foutu pour la licence? Alors avant de dire qu'Assassin's Creed est foutu, et je sais que parmi vous, parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y a beaucoup de fans de la première heure, mais il y a aussi peut-être pas mal de gens qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et donc je voulais d'abord clarifier un premier point. Qu'est-ce qui fait Assassin's Creed? Quelles sont les bases d'Assassin's Creed? Et quelles sont, à mes yeux, les choses qui sont indissociables de la franchise et qui font que Assassin's Creed, finalement, est Assassin's Creed et pas un autre jeu? Donc j'ai d'abord évoqué les piliers d'Assassin's Creed, qui sont les choses pour lesquelles je prends du plaisir, qui sont les choses pour lesquelles je retrouve à chaque fois dans Assassin's Creed et les choses auxquelles je suis attaché. Et aussi certains éléments qui malheureusement avec le temps ont disparu et qui font que j'accroche de moins en moins aux épisodes les plus récents. Je vais tout d'abord commencer par une chose qui est complètement indissociable de la franchise Assassin's Creed, c'est le combat entre les deux factions, entre Assassins et Templiers, ou dans les jeux plus récents, le combat entre l'Ordre des Anciens, qui sont donc les ancêtres entre guillemets hein, des Templiers, et ceux qu'on ne voit pas qui sont les précurseurs de l'Ordre des Assassins. Et on peut aussi transposer ce conflit dans le monde moderne avec la méta-histoire, l'histoire dans le présent dans Assassin's Creed qui tend petit à petit à disparaître, avec le conflit entre Abstergo, qui sont donc les Templiers au niveau multinational, hein, finalement c'est une organisation multinationale, Abstergo, qui camoufle un petit peu l'identité des Templiers, et donc aussi les assassins du monde moderne avec Desmond, avec Rebecca, avec Sean, etc., etc. Donc ce conflit entre assassins et Templiers, pour moi il est indissociable de la franchise. Pour moi, Assassin's Creed sans assassins et sans Templiers, c'est pas un Assassin's Creed. C'est une franchise qui a toujours, toujours depuis sa création, et qui effectivement dans les plus récents, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins, mais ce conflit entre les deux ordres, donc entre finalement le libre arbitre incarné par les assassins et l'ordre absolu, le contrôle des libertés incarné par les Templiers, ce conflit entre ces deux factions-là sert toujours de propos à l'intrigue des jeux de base, et petit à petit dans la franchise on a vu que finalement le conflit assassin-templier est plus utilisé en toile de fond véritablement que en tant que vraiment histoire principale et en tant que fil conducteur de la franchise. Et c'est même quelque chose qu'on a perdu véritablement depuis les derniers épisodes, avec notamment Assassin's Creed Odyssey, où on a complètement oublié ce conflit-là. Alors oui, il y a un combat entre l'Ordre et le Libre-Arbitre avec le culte de Cosmos qui contrôle toute la Grèce, etc. Mais c'est quelque chose aussi qu'on a un petit peu perdu, en tout cas qui est sous-entendu, mais qui est plus autant présent. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Assassin's Creed Valhalla, qui est clairement un jeu qui se concentre sur l'invasion de l'Angleterre par les Vikings. Mais finalement, ce conflit entre Ordre et Libre-Arbitre, entre Assassin, Templiers et entre Hidden Ones, donc ceux qu'on ne voit pas, et l'Ordre des Anciens, finalement, est très très peu mis en avant, et est plus utilisé en toile de fond, et en tant que petite trame scénaristique, un petit peu pour faire plaisir aux fans, plutôt que véritable intrigue scénaristique à part entière. Et ça c'est quelque chose qui est dommage, et qu'on remarque sur les épisodes les plus récents, c'est que ce conflit entre ces deux factions tend petit à petit à disparaître. Alors est-ce qu'on va le retrouver prochainement dans un nouvel Assassin's Creed? Et on peut notamment penser à Assassin's Creed Rift, hein, qui est une des dernières rumeurs, où l'on contrôlerait Basim, un des mentors de la confrérie de ceux qu'on ne voit pas. Donc
peut-être qu'on le retrouvera dans les prochains, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on tend petit à petit à perdre dans les épisodes les plus récents. Deuxième chose qui, pour moi, est un pilier d'Assassin's Creed, c'est tout simplement la lame secrète qui est présente depuis le premier épisode. Vous savez, c'est cette arme qui est dissimulée. Eh bien, cette lame secrète, petit à petit, a disparu ou est de moins en moins présente. Je m'explique. Dans Assassin's Creed 1, on peut l'utiliser en tant que arme purement discrétion, on ne peut pas combattre avec. Les combats avec la lame secrète ont été introduits donc avec Assassin's Creed 2, puis un petit peu améliorés dans Brotherhood, où on pouvait enchaîner etc. les cibles, ça donnait lieu à des enchaînements et à des animations vraiment classe. Ça a été repris dans Révélation, ça a été réutilisé dans Assassin's Creed 3 avec une lame secrète qui pouvait se transformer en couteau, etc. Donc ça donnait des combats vraiment dynamiques avec deux armes, la lame secrète et le tomahawk. Ça a été repris ensuite dans Black Flag, puis petit à petit la lame secrète est devenue inutilisable au combat, mais est devenue uniquement, comme dans le premier épisode, une arme uniquement destinée à l'infiltration, sauf qu'en combat, c'est vraiment, pour ceux qui ont joué au premier épisode, c'était une arme vraiment mais dévastatrice, redoutable, on pouvait enchaîner les ennemis à la suite avec des animations super stylées. Et ça, petit à petit, ça a disparu avec le temps. Alors la lame secrète était présente dans Assassin's Creed Origins, où elle avait un intérêt un petit peu diminué, parce qu'on ne pouvait pas one-shot directement certains ennemis avec la lame secrète, elle enlevait simplement une portion de vie, il fallait l'améliorer à fond pour pouvoir vraiment tuer instantanément l'ennemi tout en étant discret. Ce qui enlevait, à mon sens, une certaine part de crédibilité et d'efficacité, mais aussi de classe et d'immersion. Tu donnes un coup de lame secrète dans le dos, bien placé, ça tue instantanément un ennemi, ça lui enlève pas juste une petite portion de vie, et ça casse aussi un petit peu le côté de discrétion de devoir directement combattre, parce que forcément tu donnes un coup, donc tu te fais détecter, donc tu pouvais pas faire un combo discrétion à moins d'améliorer totalement ta lame secrète, ce qui était à mes yeux complètement dommage. Et la lame secrète a complètement disparu avec Assassin's Creed Odyssey, qui a été remplacée par une espèce de lance, hein, la lance de Leonidas, je l'ai d'ailleurs derrière moi. Donc cette lance de Leonidas qui dans les affiches promotionnel du jeu et dans la jaquette, a été un petit peu mise en avant comme une lame secrète. Quand on voit Alexios ou Cassandra la tenir, on voit vraiment qu'elle est dans le prolongement du bras, évidemment pour faire écho à cette lame secrète, sauf que la lance de Leonidas n'en est absolument pas une. Et donc Odyssée, ben, on a complètement perdu la lame secrète jusqu'à la retrouver un petit peu, mais pas totalement, puisqu'on ne pouvait pas jouer avec, dans le DLC L'héritage de la première lame, avec Darius, donc qui est... Le premier porteur, enfin l'inventeur connu de cette lame. Le troisième pilier d'Assassin's Creed pour moi, c'est la discrétion. C'est le combat discret, pouvoir voilà, se cacher, assassiner ses cibles et disparaître. C'est d'ailleurs présent dans le credo des assassins, montre-toi mais reste invisible, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment rester discret, c'est présent depuis le premier épisode de la franchise, et c'est quelque chose que petit à petit, on commence à perdre, alors qu'il est toujours présent, on peut toujours jouer la discrétion dans Odyssey et dans Valhalla, mais c'est quand même beaucoup moins mis en avant, je dirais, et surtout beaucoup moins calibré. Les jeux et le game design sont, à mon sens, en tout cas c'est ma vision des choses encore une fois, sont beaucoup moins pensés pour utiliser la discrétion. Dans Assassin's Creed Odyssey, on a 15 000 camps qu'il faut attaquer, qu'il faut récupérer les coffres, etc. T'as un système de mercenaires. Donc tout, absolument tout, t'invite au combat. Il y a vraiment plein d'ennemis, c'est relou de les tuer à la lance de Leonidas d'un coup, parce que ta lance de Leonidas, si tu l'améliores pas à fond, tu peux pas one-shot les ennemis. Donc absolument tout dans Assassin's Creed Odyssey te pousse à combattre. Et pareil dans Valhalla, où tu joues un viking, ton but c'est de faire des raids, etc. Donc t'as plus tendance à être bourrin et à foncer dans le tas plutôt que de jouer à la discrétion la plupart du temps. Surtout avec une IA qui est très peu calibrée finalement pour l'infiltration et qui est de moins en moins intelligente en termes d'infiltration et qui est plutôt à géométrie variable. Tantôt elle va être assez bête finalement et se laisser approcher un peu n'importe comment. Tantôt, elle va être complètement incohérente et te sniper à 100 mètres alors que t'essayais vraiment de jouer discrétion. Quatrième élément qu'on tend à perdre aussi là petit à petit encore, c'est le parcours. Le parcours qui est présent depuis le premier épisode. Vous savez, le parcours, c'est sauter de toit en toit, enchaîner, etc., les différents mouvements, pouvoir escalader, pouvoir descendre les bâtiments, etc. Parcours qui a été
à mon sens, encore une fois, à son paroxysme, à son top tiers, dans Assassin's Creed Unity. On pouvait vraiment monter de façon très fluide un bâtiment, le descendre de manière contrôlée avec des animations encore une fois super stylées, c'était super réussi. Et effectivement, depuis Assassin's Creed Origins, c'est quelque chose qui se perd. C'est en partie dû à une utilisation beaucoup plus poussée, je dirais, d'éléments naturels. On a des maps de plus en plus grandes, avec des villes de plus en plus petites. Donc forcément, c'est un environnement qui incite moins au parcours et qui fait que le parcours a peut-être été moins développé dans les épisodes plus récents. Mais en tout cas, quand on regarde le parcours de Unity et quand on regarde le parcours de Valhalla, c'est certain qu'il y a eu une régression. C'est impossible de dire que le parcours s'est bonifié avec le temps. Franchement, je vous mets au défi. Regardez une vidéo de parcours de Unity, regardez une vidéo de parcours de Valhalla, vous le voyez à ces extraits. Il n'y a pas photo, clairement. Le parcours de Unity est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus fluide, beaucoup plus stylé que celui de Valhalla. Un autre élément qui pour moi est indissociable d'Assassin's Creed, qui est l'un de ses piliers, c'est l'histoire dans le présent, c'est la méta-histoire. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas commencé la franchise avec les premiers épisodes, vous ne savez peut-être pas de quoi je parle, donc je vais essayer de faire un très très bref résumé. En gros, la base d'Assassin's Creed, c'est revivre les mémoires de ses ancêtres, grâce à une machine qui s'appelle l'Animus. Donc tu entres dans cette machine là et ça te fait revivre la mémoire de tes ancêtres. Et donc dans le premier Assassin's Creed, on jouait à l'époque Desmond, dans le monde moderne, hein, qui est donc un ancien barman et qui a été capturé par Abstergo, une société multinationale qui camoufle en fait les Templiers du monde moderne. Et donc le but d'Abstergo, c'était de trouver à l'époque les fragments d'Eden. Donc ce sont des objets avec un certain pouvoir qui ont été créés il y a des centaines de milliers d'années avant par un peuple qu'on appelle la première civilisation. Cette première civilisation qui a créé la race des hommes et qui, pour les asservir finalement, pour les rendre obéissants, a créé en partie les objets d'Eden. Voilà, en gros je vous ai fait un très très bref résumé du lore, on va dire, entre guillemets, d'Assassin's Creed et de l'histoire du présent moderne. Sauf que cette histoire dans le présent, vous vous doutez bien, a été complètement mise de côté depuis maintenant un bon moment, qui a été un petit peu rebootée avec Assassin's Creed Origins et un nouveau personnage, donc Layla. Alors, vous me direz, ça a été rebooté, certes, mais l'écriture du personnage et le fil rouge entre les épisodes est tellement pas cohérente que finalement, il n'y aurait pas eu de présent depuis Origins, je pense que honnêtement, ça aurait été la même chose. Parce que oui, du coup, on a eu Desmond de Assassin's Creed 1 à Assassin's Creed 3. Dans Unity et Syndicate, on avait des cinématiques. Des cinématiques, des très courtes vidéos, en tout, ça faisait même pas, je crois, 8 minutes de présent sur tout le jeu, donc c'était complètement ridicule. Et puis, bah, dans Rogue et Black Flag, on avait eu des espèces de présents un petit peu à la première personne, où on jouait un employé de chez Abstergo. Donc avec le temps, le présent s'est fortement dégradé en qualité, et a redémarré donc avec Origins, s'est poursuivi dans Odyssey, et se conclut un petit peu dans Valhalla, on conclut un petit peu l'histoire de Layla, dans Assassin's Creed Valhalla. Alors vous me direz, oui Valentin, t'es de mauvaise foi, il y a du présent dans Origins, Odyssey et Valhalla. Alors oui certes, mais clairement il est de moins bonne qualité, mais mon dieu, mais de tellement moins bonne qualité que celui avec Desmond. On a beaucoup moins de qualité d'écriture, on voit que c'est là pour être là, que c'est un petit peu bâclé et que finalement on n'y prête pas forcément d'intention. Et que quelque part c'est peut-être là aussi un petit peu pour juste contenter les fans et pour dire « Eh regardez, on a mis du présent, vous pouvez pas râler là les mecs ». Sauf qu'encore une fois, en termes de qualité d'écriture, en termes de scénario, en termes de narration, c'est quand même vraiment bien moins fait que dans les premiers épisodes. Et je dis pas ça juste parce que je suis nostalgique, c'est vraiment objectif ce que je dis. Quand vous prenez l'histoire de Desmond, l'histoire de la première civilisation, l'histoire d'Abstergo, etc. dans les premiers épisodes, vous mettez ça de bout en bout, c'est cohérent, ça se suit, il y a une logique, c'est bien, hein, c'est bon, plutôt bien écrit, c'est pas non plus la quintessence de l'écriture, mais c'est bien écrit, il y a une bonne narration, on veut dire, tu t'attaches au personnage, etc. Alors que dans Origins, Odyssey, Valhalla, moi perso, Layla dans Odyssey, j'avais juste envie de rentrer dans le jeu vidéo et de lui frapper dessus tellement elle m'énervait, tellement ça c'était incohérent. Et c'était écrit avec le cul, clairement. Donc voilà, le présent dans Assassin's Creed, c'est l'un des piliers de cette série de jeux vidéo que petit à petit, avec le temps, on est en train de perdre. Et même s'il est toujours présent d'une certaine façon, il perd énormément en qualité. Le dernier point pour moi qui fait que Assassin's Creed est Assassin's Creed, c'est la présence des Issus et du lore Issus, du lore de la première civilisation.
Et je ne vous parle pas du lore de la mythologie et des issues tels qu'ils sont montrés dans les récents épisodes, donc Odyssée et Valhalla, sous une forme mythologique qui est complètement claquée et qui est complètement incohérente avec ce qu'on nous a montré avant. La première civilisation, à la base, elle a un aspect science-fiction, entre très grosses guillemets, réaliste, et je pense que vous me comprendrez quand je veux dire réaliste, c'est-à-dire qu'on nous montre des choses qui sont envisageables dans le monde de la science-fiction, et pas des trucs mythologiques avec un filtre en mode « Ah mais regardez, ça fait référence à tel truc de la première civilisation, vous êtes vraiment con si vous n'avez pas compris ». Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut dans Assassin's Creed. Les Issou, la première civilisation, c'est quand vous regardez dans les précédents jeux jusqu'à Assassin's Creed 3, c'est quelque chose qui est vraiment cool, qui est vraiment plaisant. Il y a des temples, etc. On peut explorer dans le monde présent avec Desmond. Il y avait vraiment un intérêt et une cohérence. Là, aujourd'hui, on te sort des trucs mythologiques qui sont complètement claqués sous prétexte qu'il y a un filtre première civilisation, machin, donc il y a une cohérence par rapport au lore et par rapport à la première civilisation, tout en gardant le filtre mythologique, sauf que ça perd complètement de son intérêt, ça perd du sens et ça perd tout le monde, ça perd les fans, ça perd en cohérence. Donc ça, pour moi, la première civilisation, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on ne retrouve certainement pas aujourd'hui, avec cette forme de mythologie qui excuse beaucoup de choses. Parce que clairement, pour moi aujourd'hui, ceux qui étaient là avant, donc la première civilisation, c'est pas du tout les Issou qu'on nous montre aujourd'hui dans les derniers jeux. Alors encore une fois, vous allez pouvoir me dire « Ouais, mais Valentin, t'es de mauvaise foi, on en voit quand même, machin... » Je suis pas vraiment d'accord avec vous. Regardez ce qu'était la première civilisation auparavant, et regardez ce qu'elle est aujourd'hui, vous verrez que ça n'a plus rien à voir. Et là aussi, vous pourrez me dire « Oui, mais Valentin, faut évoluer avec ton temps, etc. Les choses changent, etc. Tu peux pas rester toujours sur le même truc. » Bah, là non plus, je suis pas d'accord. Si tu changes quelque chose, si tu fais un changement dans un jeu vidéo, si tu opères un changement scénaristique et un changement narratif, c'est pour aller vers quelque chose de mieux construit, de plus cohérent, pas vers quelque chose qui se dégrade au fil des épisodes. Donc voilà, c'était tout pour la partie pilier d'Assassin's Creed, on va dire. Ensuite, récemment, vous n'êtes pas sans savoir que Ubisoft a sorti le DLC le plus ambitieux de l'histoire de la franchise Assassin's Creed, j'ai nommé L'Aube du Ragnarok, le dernier DLC d'Assassin's Creed Valhalla, vendu 40€ pour une quarantaine d'heures promises, en réalité comptait plutôt une dizaine d'heures pour boucler l'histoire principale qui est plus que médiocre et qui est sans intérêt hein, pour le jeu, clairement. Et en tout, une vingtaine d'heures, grosso modo, pour récupérer des objets inutiles sur la map et faire des quêtes annexes qui n'ont pas vraiment là non plus d'intérêt. Donc j'étais curieux et j'ai fait un petit sondage, un sondage qui a récolté, là je l'ai sous les yeux, 172 réponses. Et je vais vous énoncer là juste quelques petits résultats pour appuyer mon propos. J'ai pas la prétention de dire que ce sondage reflète l'avis global de la communauté. Mais en tout cas, le résultat parle de lui-même hein, sur 172 votants. Il y a bien 70% de personnes qui n'ont pas acheté le DLC. Si on va un petit peu plus loin maintenant et qu'on demande à ces personnes pourquoi elles ne l'ont pas acheté, beaucoup vous répondront « trop cher », « mauvais », « peu ambitieux », « la mythologie ne m'intéresse pas », etc., etc. Je vais même vous lire un avis qui à mes yeux est plutôt bien argumenté, et je vais vous lire maintenant. Assassin's Creed Valhalla est le jeu que j'attendais le plus, il s'est avéré être une douche froide. Si on compare uniquement l'aspect viking, alors il est très moyen. Si on le compare sur la mythologie, les gars, God of War, vous ne pourrez pas faire mieux que God of War. Donc j'étais pas du tout hype pour le DLC Dawn of Ragnarok, ayant des combats brouillons, un monde vraiment trop grand, des activités inintéressantes au possible, et des histoires très moyennes voire oubliables, ce DLC n'a même pas été considéré comme un potentiel achat. Marre de nourrir la franchise dans ces conditions, le fast-food Ubisoft déshonore toutes ses propositions originales et innovantes pour du marketing et des chiffres. Je ne me sens pas respecté en tant que joueur, et surtout en tant qu'être humain ayant une vie à côté des jeux vidéo. Les jeux solo de plus de 80 heures ont intérêt à être de très bon calibre s'ils ne veulent pas mourir avant de naître. Et je suis totalement d'accord avec cette personne, une chose qui fait que Assassin's Creed aujourd'hui perd finalement en qualité, c'est-à-dire qu'il s'étire, il s'étire de plus en plus, et quand tu étires un petit peu de beurre sur une trop grosse tartine, ça donne quelque chose de sec, d'artificiel et de finalement sans réel intérêt. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est qu'on a des très grandes maps, on a plein de choses à faire, on a plein de trucs à récupérer, du contenu t'en veux. Tiens, on va te balancer du contenu, tiens, du contenu, joue plus longtemps à notre jeu. Tant pis si ça te fait pas vivre de moments marquants, tant que tu restes sur mon jeu,
que tu joues, que tu donnes du chiffre, que tu fasses du nombre d'heures, que tu achètes des extensions, que tu achètes des skins, tant pis si le jeu est le mieux écrit de l'histoire de la franchise, du moment que tu joues, du moment qu'il y a des chiffres, du moment qu'il y a du data. Et ça, en fait, c'est pour moi un des problèmes d'Ubisoft aujourd'hui, c'est que tout est justifié par des chiffres. Regardez, il y a tel nombre de joueurs. Regardez, il y a tel nombre d'heures de trucs à faire. Regardez, il y a tel nombre de trucs à récupérer sur la map. Regardez, on a la plus grosse map de l'histoire de la franchise. Quel intérêt de mettre la plus grosse map de l'histoire de la franchise si ton histoire à côté n'implique pas le joueur et finalement, t'as un grand terrain de jeu, mais pourquoi faire? Et ce que je dis là, c'est valable pour le jeu de base, mais c'est aussi valable pour le DLC qui est une blague. 40€. 40€ les gars, pour un DLC comme ça, qui est médiocre, qui est vraiment mauvais. 40€. 40€. Je sais pas si on se rend compte, 40€ pour soi-disant le DLC le plus ambitieux de l'histoire de la franchise, alors qu'il n'en est rien. Clairement, il n'en est rien. Le Season Pass d'Assassin's Creed Valhalla, et là je modère un petit peu mes propos, le Season Pass de Valhalla est vraiment bon. On a deux extensions originales. Une qui nous amène en Irlande, avec une nouvelle map, avec des personnages cohérents, intéressant, bien écrit, des nouvelles musiques, etc., etc. Une deuxième extension qui nous amène à Paris, idem, sur une nouvelle map, avec des nouveaux éléments de gameplay, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, une narration qui est bien construite, etc. Pour, en gros, 2x20 heures de contenu. Donc ça fait à peu près une 40aine d'heures de contenu pour la Season Pass pour un prix de 30€. Et c'est des extensions qui sont qualitatives, qui apportent un réel plus à l'histoire de Valhalla, à mon sens. Moi, perso, j'ai bien aimé Valhalla parce que j'adore l'asset viking. Et c'est aussi l'épisode pour lequel j'ai été membre de la Mentors Guild. Et pour lequel je me suis plus impliqué dans le suivi... avant lancement et après lancement. Donc moi j'ai adoré Valhalla et j'ai adoré le côté mythologique de base de Valhalla qui est cohérent et qui apporte pour moi un propos au jeu de base. Et c'est pareil pour Assassin's Creed Origins. La partie mythologique de Origins apporte quelque chose, elle sert le propos du jeu de base. Alors moi je veux bien que tu sors des DLC sur la mythologie, mais ces DLC là, ils doivent avoir un propos, ils doivent avoir un sens. Et pour moi, l'aube du Ragnarok est complètement passé à côté de ce propos-là et est complètement bâclé à mes yeux. Vous inquiétez pas, la vidéo va pas continuer sur le DLC très très longtemps. Je vais juste donner une dernière réponse pour illustrer mes propos. Pour vous, est-ce que ce DLC vaut le prix de 40€? Ça, c'est une question que j'ai posée dans le sondage. Et à 97,6%, vous avez répondu non. Le DLC ne vaut pas 40€. Et le DLC, en aucun cas, pour la très très grande majorité des gens, n'est pas indispensable à l'univers Assassin's Creed. Et tous les gens qui y ont joué ne recommandent pas, de manière générale, je vais pas me lancer dans des calculs de pourcentage, mais en gros, si je prends là une médiane sur mon graphique, 95% des gens qui ont joué au DLC ne le recommandent pas aux autres fans d'Assassin's Creed, ce qui veut clairement tout dire. Alors vous allez me dire, mais Valentin, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi je vous parle des piliers d'Assassin's Creed? Pourquoi je vous parle du mécontentement de la communauté? Pourquoi je vous parle de mon mécontentement personnel vis-à-vis du dernier DLC qui, vous le savez, ne nous a pas plu et d'ailleurs notre test en dira long puisqu'on l'a, il me semble, quand même plutôt descendu. Eh bien, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que Assassin's Creed, j'en ai bien peur, est peut-être en train de mourir. Parce que tous les piliers qui font que la franchise est ce qu'elle est, petit à petit, sont en train de tomber au profit d'une nouvelle formule qui plaît à certains joueurs, mais qui déplaît beaucoup à d'autres. Alors comment faire? Comment faire pour rassembler tout le monde? C'est à mon sens, en tout cas, ce qu'a essayé et ce que fait Assassin's Creed Valhalla. Parce que on a de la discrétion, on a de la lame secrète, on a du parcours mais pas trop, on a du présent. Alors dans Valhalla, ils ont essayé de rattraper les grosses bourdes qu'ils ont fait dans Odyssey. Ils l'ont fait tant bien que mal. On a des Issou qui sont là aussi à leur manière, qui ne sont pas vraiment là en tant que première civilisation telle qu'on les a connues auparavant,
mais qui sont là quand même. On a le retour des sages, intrigue qui avait été commencée par Darby McDavid dans Assassin's Creed 4 Black Flag. On a plein de petites allusions, plein de petites références qui sont vraiment pensées pour les fans de la première heure. On a un conflit entre assassins et templiers, je vulgarise, ne m'en voulez pas, qui est présent peut-être en toile de fond, mais qui est présent quand même. Mais moi, ce qui me gêne vraiment aujourd'hui, c'est que tous les piliers d'Assassin's Creed, finalement, tout ce que j'expliquais, devient de plus en plus dilué et devient finalement exploité en arrière-plan, en toile de fond, plutôt que d'être mis sur un piédestal au devant de la scène et vraiment ce qui fait l'identité d'Assassin's Creed petit à petit est en train de disparaître. Ça, en tout cas, c'est mon analyse personnelle et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, en tout cas je serais ravi d'en débattre dans l'espace commentaire, en tout cas, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mot, et je serais vraiment très très ravi de débattre avec vous. En tout cas, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis désolé si cette vidéo est un peu déconstruite. En tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais et que je l'avais pensé dans ma tête. Je pense avoir évoqué mes inquiétudes, alors je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir parce que quand on voit les dernières rumeurs, les derniers petits leaks qu'on a autour de la licence, on a Assassin's Creed Rift. Assassin's Creed Rift qui serait a priori un jeu beaucoup plus court, centré sur l'histoire de Basim qu'on a connu donc dans Valhalla, qui est un sage, qui est un mentor de la confrérie de ceux qu'on ne voit pas. Donc ça présage des bonnes choses, certes, mais ça reste un petit projet. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'avenir d'Assassin's Creed dans les prochaines années. Est-ce que, comme avec Odyssey et Valhalla, on va se concentrer sur quelque chose de beaucoup moins Assassin's Creed, finalement, parce que dans Odyssey, on est un mercenaire, et dans Valhalla, on est un viking, avant d'être un assassin? Ou est-ce que Ubisoft va décider, finalement, de rebooter, entre guillemets, la franchise, et de la faire repartir sur de nouvelles bases, bases qu'on a connues auparavant, avec les piliers qui font que la franchise est ce qu'elle est. Alors encore une fois, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Là, je serais ravi vraiment d'avoir vos commentaires et vos avis là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très très important pour la chaîne. À laisser votre petit like, hein, ça soutient énormément notre travail. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Val en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous.